Allez les amis, c'est parti, guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, qu'est-ce que nous avons comme message? Un déplacement rapide. Alors, un mouvement peut-être qui se met en place. Une réflexion, donc quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Hein. Alors, soit c'est une personne, hein, tout simplement, qui pense toujours à vous, les amis, avec la réflexion. Soit c'est le mouvement d'une situation, une relation qui vous met aussi en mode réflexion, les amis. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. On nous parle de bénédiction, les amis. On nous parle d'ouverture d'une nouvelle page du livre de votre vie. Il y a du changement là qui arrive. Il y a quelque chose qui se précipite. Et peut-être qu'effectivement, vous allez aussi vous mettre en mode réflexion. Donc là, il peut s'agir de plein de choses. Hein. Il peut s'agir de quelqu'un qui arrive rapidement vers vous et qui pense toujours à vous et qui va faire un mouvement vers vous. Hein. Et on vous parle de véritables bénédictions, les amis, de prières exaucées. Et vous allez peut-être étudier la possibilité que cette personne rentre dans votre vie ou pas. Il peut s'agir d'une nouvelle qui arrive rapidement vers vous et qui va vous demander de vous mettre en mode réflexion avant d'accepter. Il y a cette notion-là, les amis. Il y a peut-être une notion aussi d'un mouvement qui arrive vers vous pour une formation ou quelque chose. Mais vous allez peut-être aussi vous mettre en mode réflexion avant d'acter cette décision-là. En tout cas, pour moi, il y a quand même du mouvement qui arrive, quelque chose qui bouge dans votre vie. Que ce soit une personne qui arrive vers vous ou une situation qui arrive vers vous, on nous parle de rapidité hein, quand même. Et on nous parle aussi peut-être d'un mode de réflexion parce que ça va peut-être changer la donne pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Soit l'arrivée de cette personne, soit l'arrivée de cette situation. Il va peut-être vous falloir un petit temps de pause pour réfléchir, pour être sûr de prendre la bonne décision. On nous parle d'une véritable bénédiction, les amis. Alors, il y en a qui réfléchissent aussi à prendre un nouveau départ par rapport à une formation. On vous dit de le faire. Par rapport à quelque chose en lien avec l'écriture, la communication, mais également l'enseignement. Voilà. Et on vous dit que, que ce qui arrive de toute manière vers vous rapidement est une véritable bénédiction. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui en ressort de ce tirage. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive vers vous rapidement. Et je pense que si on nous parle de bénédiction, c'est que c'est du positif. Alors, cette chose-là, elle était jusqu'à présent verrouillée. Donc, il y avait quelque chose qui était figé, qui n'avançait pas, les amis, avec la sécurité. Ou alors, cette personne et cette situation qui arrive va vous permettre de retrouver une meilleure sécurité aussi. Pourquoi pas? Après, il y a une notion de blocage jusqu'à présent et quelque chose qui se débloque d'un coup hein, avec la rapidité et le déplacement. Voilà les amis, donc du positif, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui est une véritable bénédiction. Les choses se mettent en mouvement, les choses s'accélèrent, on est en train de me dire. Donc laissez venir à vous ce qui doit l'être, j'ai envie de dire. Parce que avec la prière, ce qui arrive de façon rapide, c'est peut-être aussi en lien avec quelque chose que vous avez demandé et que vous avez souhaité et espéré. C'est aussi en lien peut-être avec vos prières, les amis. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi la notion d'écrire une nouvelle page de sa vie avec le livre. Donc, peut-être que certaines personnes vont avoir soit le retour d'une personne, soit l'arrivée d'une personne, soit l'arrivée d'une situation qui va vous leur permettre d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Et voilà ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Donc, c'est ouvert à plein de choses. Donc, vous prenez ce qui vous résonne. J'essaie de tout balayer. Voilà, il y a eu des obstacles, hein. il y a le mur, il y a le déplacement rapide, les nouveaux voyages qui s'ouvrent, les engagements et la véritable chance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées jusqu'à maintenant et qui se débloquent enfin avec la rapidité du déplacement. Peut-être que certaines personnes vont avoir des déplacements à faire pour aller saisir des opportunités, des coups de chance. Peut-être que, voilà, mais en tout cas, tout ce qui était bloqué, verrouillé, se débloque d'un coup hein, avec le TGV.
Voilà, et il y a une nouvelle ouverture sur quelque chose, il y a une très belle opportunité, un coup de chance qui arrive, que ce soit par l'arrivée d'une personne ou d'une situation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la chance, de la guidance de l'univers aussi, on me dit. Donc peut-être que votre âme, elle a des choses à accomplir et donc on est en train de progressivement vous y guider. Voilà, il peut y avoir pour moi la notion de main qui se sert de quelqu'un qui pense à vous, il y a peut-être quelqu'un qui pense encore à vous et qui va revenir dans votre vie, les amis, de façon rapide, hein. Il y a des réconciliations peut-être à la clé. Il y a peut-être aussi des apprentissages dans lesquels vous allez vous lancer, qui vont vous ouvrir une nouvelle voie, hein, avec les voyages. Il peut y avoir également l'arrivée d'une proposition d'emploi, hein, qui est un véritable coup de chance et qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. On nous parle de jusque-là obstacles et blocages, il y a quelque chose qui se déverrouille. Ou tout simplement l'arrivée de quelqu'un en fait dans votre vie avec lequel vous allez vous engager et ça sera pour écrire une nouvelle histoire de votre vie avec la prière et bénédiction en énergie centrale quand même. J'ai envie de vous dire que ce qui arrive rapidement vers vous, ce qui se débloque rapidement vers vous, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Sinon, on ne nous parlerait pas de chance et de bénédiction, hein, les amis. Vous avez un coup de pouce de l'univers, on est en train de me dire avec la prière. L'univers prend le relais pour vous débloquer ou sortir d'une situation et ça va se faire de façon très rapide. Voilà les amis, ça va peut-être vous rapporter une meilleure sécurité par la suite avec la notion de sécurité, mais j'ai vraiment cette notion de déverrouillage et de déblocage rapide qui arrive dans votre vie. Voilà les amis, peut-être certaines personnes pensent à faire une formation, hein, pour une direction de vie ou pour quelque chose comme ça, hein, parce que la notion d'études, de formation, ou pense peut-être à faire des domaines de communication, d'écriture, il y a peut-être aussi tout ça qui se joue, et il y a une officialisation qui arrive par la suite, peut-être que c'est vous qui êtes en mode « je réfléchis, je pèse le pour et le contre », il y a quelque chose qui me dirait, dans lequel j'aimerais m'engager. Et il y a un engagement à la clé, hein, de toute manière, après être passé par ces obstacles-là ou ces verrouillages-là. Mais à travers ça, vous êtes guidé, c'est une opportunité qui vous est amenée de l'univers pour vous guider dans la bonne direction et écrire une nouvelle histoire ou page de votre vie. Hein. Voilà les amis, donc... c'est plutôt pas mal. Alors avec le boomerang, il y a quand même... la récolte de certaines choses ou le retour de quelqu'un. Hein. Il y a quand même... alors, ce tirage me fait quand même penser à quelqu'un qui pense à vous à distance, hein, que vous ne voyez plus avec la séparation du boomerang. Mais comme si la personne revenait dans votre vie. Hein. Alors, je ne sais pas. Bah, on a le retour. Hein. Alors, pour moi, il y a peut-être le retour d'une personne qui ne vous a jamais oublié ou le retour d'une personne qui pense à vous, tout simplement, pour quelque chose de particulier. Vous allez peut-être apprendre des choses avec le livre. Le livre sur le Lenormand, c'est quand même une notion de secret. Et le livre qui s'ouvre, c'est là, ce qui me vient, c'est des secrets révélés. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être des nouveaux départs qui doivent se prendre avec quelqu'un qui pense à vous et qui revient dans votre vie. Après vous avoir révélé des choses. Voilà ce qui me vient, les amis. Donc, vous prenez si ça vous parle. Après, il peut y avoir tout simplement le retour d'une situation, hein, avec laquelle vous aviez pris de la distance et qui se fait de façon rapide, hein, les amis. Ça aboutit sur des engagements, des unions, hein, les amis. Alors, il va y avoir des échanges, beaucoup de communication par rapport à ça. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec ce tirage. Hein. C'est ce qui me vient vraiment en premier. Bon. Après, il peut peut-être y avoir le retour d'une situation, hein, qui revient et ça passe par des réunions, des dialogues, d'aller rechercher des informations avant de s'engager. Il y a un engagement à la clé, il y a la joie, hein. Il y a la joie retrouvée, il y a une notion de soutien par rapport à quelque chose qui vous a blessé par le passé et le fait d'attirer à soi ce soutien, quoi. Donc moi, pour moi, il y a eu de la distance avec une personne, peut-être qui vous a trahi, hein, ou avec lequel vous avez coupé les liens, ou d'une situation avec laquelle vous n'étiez plus bien et que vous avez coupé.
Eh bien, on dirait qu'il y a le retour de cette situation ou de cette ou de cette personne. Voilà ce qui me vient, les amis, avec ce tirage aujourd'hui. Hein. Bon, vous prenez si ça vous parle. Donc, retour rapide d'une situation ou d'une personne et le fait aussi de quelque chose qui était verrouillé ou quelque chose qui se dévoile à l'heure actuelle pour démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, il y avait une union bloquée, quelque chose de bloqué jusqu'à présent et ça se débloque rapidement avec l'avion. Alors, on a le TGV, l'avion. Peut-être un voyage qui était jusque-là bloqué, hein, les amis. Hein. Et qui se débloque d'un coup, hein. Pourquoi pas, hein. Après il y a le retour de quelqu'un avec lequel vous avez été en froid ou distant ou la relation était bloquée ou vous êtes séparés, hein, avec le procès et l'union, et il y a quelque chose qui revient dans votre vie ou qui voilà, ou un nouvel engagement tout simplement, une situation, ça peut être un nouvel engagement qui arrive dans votre vie et pour un nouveau départ et tout se débloque de façon rapide. Voilà ce qui me vient les amis. Mais j'ai quand même cette notion avec la pensée, c'est fou aujourd'hui, de quelqu'un, comme si quelqu'un avec lequel vous avez pris de la distance pensait toujours à vous et revenait dans votre vie. Bon, vous prenez que si ça vous parle les amis. En tout cas, un déblocage rapide pour écrire une nouvelle histoire ou une nouvelle page dans votre vie, les amis. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet de débloquer une situation. Voilà. Allez, on nous parle d'une belle opportunité, de quelque chose vraiment d'enrichissant qui arrive. Le fait de reprendre votre pouvoir sur la vie et de pouvoir ensuite récolter tout ce que vous avez semé, les amis. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont semé plein de graines dans leur vie ou qui ont essayé d'alimenter au mieux certaines choses qui jusque-là étaient bloquées pour moi et il y a un déblocage rapide. Alors, soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui a toujours pensé à vous, qui revient dans votre vie, soit une situation hein, qui revient vers vous. On nous parle de prière et de bénédiction. On nous parle de secrets révélés et dévoilés parce que c'est ce que j'entends aujourd'hui avec cette carte du livre. Vous prenez, si ça vous parle, en tout cas, de jolies récompenses à la clé, des déblocages et des bénédictions, en fait, tout simplement, qui arrivent. Donc, c'est positif, les amis. On aime ces tirages. Alors, on me dit que vous allez récolter les fruits de certaines choses également. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Et peut-être qu'il y en a qui ont persévéré, qui avaient l'abondance de bloquer dans leur vie ou qui avaient des projets qui étaient qui n'évoluaient pas, une notion de stagnation malgré les efforts. Et là, j'ai l'impression que on vous tend une main, on vous apporte quelque chose qui est en lien avec le ciel. Hein. Pour moi, il y a le ciel qui vous aide à quelque chose, qui vous déverrouille une situation, qui vous débloque quelque chose par l'intermédiaire peut-être de quelqu'un. Et en tout cas, on voit qu'il va y avoir une récolte par rapport à des graines qui ont été semées également. Voilà les amis, ce qui me vient avec cette guidance, haute vibration. Ouais. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes passé par des blocages parce qu'il fallait que vous compreniez des leçons ou peut-être qu'il fallait que vous compreniez certaines choses sur l'abondance au sens large, sur la sécurité intérieure, extérieure. Et là, j'ai l'impression qu'avec les hautes vibrations, c'est comme si vous montiez d'une vibration, comme si vous aviez intégré les enseignements de quelque chose. Regardez avec le livre et l'enseignement, ça peut être des enseignements, une leçon de vie que vous deviez apprendre et que maintenant que vous l'avez acquise, vous êtes prêt à passer à autre chose, donc les choses se débloquent d'un coup. D'où cette notion de haute vibration. J'ai l'impression qu'avec cette carte de haute vibration aujourd'hui, on me dit que vous avez monté d'un niveau. Alors, j'aime pas trop parler d'histoire de niveau parce que ça fait vraiment comparaison, compète et tout, mais on dirait qu'il y a quand même eu une évolution certaine de votre âme, hein, de votre parcours, qui fait que vous allez accéder à quelque chose d'autre, en fait, maintenant. Et que peut-être que ce qui était bloqué jusqu'à maintenant, du coup, va complètement se débloquer parce que vous êtes monté d'un niveau, vous avez monté une marche. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue avec cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye!